et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, comme chaque soir. 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39-21. Vous y serez accueillis par Justin et Quentin sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez partager votre expérience, apporter votre soutien, vous pouvez le faire à tout moment au cours de l'émission et appeler le 39-21 pour dialoguer avec nous à l'antenne. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7-21-21 en commençant votre message par le mot « nuit ». Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je me suis permis de vous adresser un petit mail. Oui. D'abord pour vous donner des nouvelles de mon fils. Je vous avais appelé en septembre en vous expliquant qu'il avait enfin été greffé des poumons. Oui. Et ce soir, donc, j'ai regardé sur France 2 une émission qui était justement en rapport avec la greffe, plus particulièrement les greffes de cœur. Oui, c'est un documentaire sur la greffe du cœur, hein, oui, sur oui, France 2. Et c'était docu-fiction, oui. Oui, c'était vraiment très bien, c'était émouvant. On a pu voir les deux côtés, aussi bien les côtés famille du donneur, famille des receveurs, et puis surtout les petits mots des équipes médicales qui forme une chaîne incroyable autour de ce qui est la greffe. Oui, c'était important d'entendre. Il y avait les différents intervenants à toutes les étapes, c'est-à-dire aussi bien les familles, comme vous le dites, des deux côtés, donneurs et receveurs, que les coordinateurs, c'est-à-dire ceux qui viennent dans ces moments aussi douloureux parler du don d'organes. C'était intéressant de les entendre, ces hommes et ces femmes de l'ombre. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte, tous les gens qui sont en charge de cette réflexion, de cette action. C'est vrai qu'on les voyait, ils interviennent souvent la nuit et ils sont là à n'importe quel moment. Ils sont appelés pour aller chercher un greffon, pour parler avec la famille de la personne décédée. C'est une chaîne vraiment importante, oui. Oui, c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que justement, étant vous directement concernée, puisque vous êtes la maman d'un votre fils a 30 ans, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, il a été greffé des poumons le 1er septembre. Comment va-t-il ? Écoutez, ça va bien. Bon, demain, il est une journée à l'hôpital pour faire un contrôle, voir si tout se passe bien. Mais je croise les doigts. Oui, pour l'instant, on peut dire qu'il va bien. Ça fait 5 mois et c'est vrai que c'est 5 mois magiques. Comment ça s'était passé pour lui, justement Alors, il avait été inscrit sur la liste d'urgence en décembre 2009. Oui. Avant la greffe de septembre, il avait été appelé 4 fois. Et 4 fois, ça n'avait pas marché. Pour X raisons, soit le greffon n'était pas bon, soit il y avait une incompatibilité, de quelque sorte que ce soit. Et finalement, la 5e fois, donc, il a été appelé dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Mmh. Et là, on lui a dit, ben voilà, c'est bon, tous les examens sont faits. Donc c'est vrai que c'est une attente, c'est terrible pour tout le monde, hein, pour les gens, pour lui, pour les gens de la famille, pour les amis, parce que c'est vrai que la question, enfin moi, la chose qui m'est apparue en premier, c'est bien, alors on est enfin content parce que ce moment est arrivé, en oui. même temps, il y a un moment où on vacille un petit peu parce qu'on se dit, et si ça ne fonctionne pas bien mm. Et puis, il y a malgré tout une immense pensée pour la famille du donneur, parce qu'on se dit, voilà, nous, si ça fonctionne,
on va être à nouveau dans la joie. Ça permet à mon fils, en l'occurrence, de vivre encore. Et malgré tout, je ne peux pas m'empêcher d'y penser le premier de chaque mois. Voilà, nous, on est, je dirais, heureux depuis 5 mois qu'il est greffé. Et depuis 5 mois, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette famille qui a perdu quelqu'un et qui est malgré tout dans la peine. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi y penser. Oui, et ça, c'était récurrent, hein, tout au long des témoignages. On retrouvait chez toutes les personnes qui avaient été greffées. Cette pensée vraiment. Oui, vous dites, on est obligé d'y penser, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai. De penser, mais vous pourriez penser, parce qu'effectivement, le fait d'avoir en soi l'organe d'un autre, mais aussi ça va plus loin que ça, de penser effectivement, de dire, c'est un moment de joie, parce que c'est. Oui. À nouveau la vie, pouvoir permettre la vie, la possibilité de faire des projets et de se dire qu'ailleurs il y a une famille qui est éprouvée, qui est dans le chagrin, dans la peine. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y avait le témoignage de cette mère qui avait perdu son jeune fils, hein, puisqu'il avait 17 ans dans un accident de la circulation. Et qui était assez poignant parce qu'elle disait que on lui avait dit que tous les organes de son fils iraient pour des enfants et que finalement peut-être qu'il avait fallu elle se consoler, si tant est que le mot ne convient pas vraiment, mais c'était sa façon à elle de surmonter comme cette terrible épreuve en se disant que peut-être il avait fallu cela, que son fils à elle était parti, mais que d'autres enfants pourraient vivre. Oui, c'était assez poignant. Le témoignage du petit garçon aussi. Oui, il était formidable, ce petit garçon de 11 ans. Oui, qui avait perdu son frère alors que lui n'avait que 2 ans. J'ai trouvé très joli ce qu'il a dit. Il a dit une phrase, je pense tous les jours au donneur et je pense tous les jours à mon frère en me disant qu'il est parti, mais que c'est peut-être pour revivre du fait que lui ait reçu ce cœur comme s'il se superposait à son frère qui était parti trop tôt, et puisque lui n'avait pas pu bénéficier d'une grève, justement. Oui, alors c'est en même temps... C'est lourd quand même. C'est lourd, c'est ce que j'allais dire. C'est lourd parce que quelle place se donne-t-il, hein, parce qu'il y avait ce frère qui, lui, était décédé. Il y avait, d'une certaine façon, alors, c'était, on sentait une forme de culpabilité derrière cela, hein, certainement, mais. Pourquoi moi, pourquoi pas lui? Et forcément, parce que lui avait pu vivre, son frère n'a malheureusement pas pu vivre, donc c'est forcément lourd à supporter tout cela. Donc c'était sa façon à lui de s'arranger avec cette histoire difficile. Et c'est compliqué, hein, quand on a 11 ans de faire face à tout cela. C'est déjà compliqué quand on est adulte. Donc à cet âge-là, d'être confronté à ces questions de vie et de mort, c'est forcément lourd. Non, c'était assez poignant, de la même façon que d'entendre ces professionnels confrontés à ces questions-là, qui en parlaient avec beaucoup, beaucoup d'humanité et puis beaucoup d'implication. Hein. Je trouve qu'ils parlaient juste, qu'ils parlaient vrai. Et c'est tout à fait ça, hein, en fait, quand moi, avant que Julien soit greffé, on avait été reçu par le professeur, donc qui l'a greffé. Et c'était c'est vraiment quelqu'un de humble. On s'imagine comme ça quand on vit pas la chose, quand on vit pas cette épreuve-là, que c'est vraiment des hautes pointures, je dirais. Mais en même temps, quand on est en phase 2, ils sont vraiment à la même hauteur. Il n'y a pas d'orgueil, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a, il y a une grande humilité qui ressort de la part de toute l'équipe soignante, que ce soit de l'infirmière au plus grand professeur. C'est vrai que c'est vraiment une solidarité, c'est vraiment une chaîne. C'est un peu comme si c'était une famille, voilà, qui aide, qui intervient. Elle est indispensable parce qu'on voit bien en même temps comme...
lorsque il y a une greffe, un don d'organes qui est possible, donc un décès, hein, il faut appeler les choses comme elles sont, comme toute cette chaîne se met en place et il faut que il n'y ait rien, aucun grain de sable, hein, donc il faut vraiment que tous les acteurs soient tous hyper. Il faut une coordination extraordinaire. Donc c'est important qu'il y ait une solidarité, puis pour tenir, parce que on peut comprendre aussi qu'il y ait cette humilité. Ils sont confrontés en permanence à ce qui nous fait le plus peur, c'est-à-dire à la mort. Et finalement à notre fragilité d'être humain. C'est-à-dire ils savent eux que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Et puis, ils accueillent des familles qui sont terrassées par la douleur, parce que quand ils reçoivent des personnes qui sont en état de mort cérébrale, il expliquait très bien dans ce documentaire, c'est terrible l'état de mort cérébrale. Enfin, pour les familles, c'est inouï, c'est d'une violence inouïe. Donc, et en même temps, dire que la personne est cliniquement morte alors qu'en fait elle ne présente pas du tout l'état de la mort apparente. Donc c'est ça plonge dans un abîme de perplexité, de détresse. Et de l'autre côté de la chaîne, ils savent qu'il y a quelqu'un qui dépend qui attend et que sa vie en dépend. Donc comment voulez-vous à côté de ça qu'ils puissent, ils sont pas dans l'arrogance effectivement que pourraient avoir certains qui sont effectivement pas dans cette urgence à vivre, et ils savent à quel point nous sommes fragiles. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé que ce reportage était, je trouve, vraiment magnifique, parce qu'on voyait vraiment tout quand ils posent la question aux familles, quand les acteurs rentraient dans la chambre, justement, où était ce jeune homme qui était branché sous respirateur. Et c'est vrai que la première réflexion qu'on peut avoir, on voit la cage thoracique qui se soulève, on se dit mais non, il n'est pas mort, il est encore là. Et c'était bien expliqué, le fait de débrancher, d'enlever, de faire poser les mains de son ami, je crois, sur sa poitrine pour lui dire, voyez, si on débranche l'appareil, il n'est plus là, il est parti. Je trouvais que c'était vraiment... j'en ai vu quelques-uns de reportages, mais là, je trouvais que celui-ci était vraiment à l'échelle humaine. Tout était facilement compréhensible. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le côté fiction, parce que je vous avoue que, alors maintenant, là, je suis plus du tout sur le fond, c'est sur la forme. Le côté fiction me gênait un peu, moi, au départ. En parallèle, je trouvais que, vous voyez, l'histoire où on a mis en scène, forcément, sous la forme de... Ça me gênait. Je trouvais que les paroles... Là, je suis plus sur le fond, hein, je suis vraiment sur la forme du documentaire. Je trouvais que les paroles des différents intervenants, des personnes greffées, des personnes, que ce soit les chirurgiens, les infirmières, les coordinateurs, étaient tellement fortes que le côté fiction, l'institutrice, le jeune homme, enfin, je trouvais que c'était en trop, pour moi. Mais après, bon, effectivement, ça a illustré comment ce qu'on n'aurait pas pu faire. On pouvait pas, dans des situations aussi dramatiques que celles qui se passent au moment où une personne est en état de mort cérébrale et que la famille arrive, est accueillie par des personnes, justement les fameuses coordinateurs qui expliquent que voilà, il y a cette possibilité de prélever des organes. On peut pas le filmer décemment. Ouais. On peut pas, déjà les familles sont dans un état de choc épouvantable, on peut pas, il peut pas y avoir une équipe de télévision qui va filmer ça. Donc mais c'est vrai qu'à côté de ça, le comment dire, l'intervention de la maman, justement, du jeune homme, décédé, c'était vraiment c'était poignant, parce qu'elle revivait vraiment, elle expliquait vraiment bien comment ça s'était passé. Ouais. Et pour revenir à votre fils, donc lui, sa greffe, vous dites il va bien, il y pense. Alors, lui, parce que vous dites on y pense, ça veut dire que votre fils aussi, il a été appelé comme ça dans la nuit également. Pareil ça c'est, oui, c'est ça. Exactement comme ça, oui. Ouais.
Et c'est vrai qu'après, j'ai discuté avec lui. Alors, ça m'a fait repenser à une des réflexions qui a été faite par un monsieur qui était greffé, qui devait avoir 50, 60 ans, et qui disait « Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon cœur ?» Même le jeune homme, un jeune de 30 ans disait la même chose, ils l'ont donné au chat. Et c'est vrai que mon fils m'a fait cette réflexion aussi après. Il m'a posé la question, il m'a dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes poumons ?» Et oui. C'est vrai, après il y a eu le passage. Après, il y a eu le passage où il était face à sa cicatrice aussi, parce qu'il y avait une dame aussi qui était greffée depuis 22 ans dans le reportage, qui disait qu'elle n'arrivait toujours pas aujourd'hui à regarder la cicatrice. Et c'est vrai que mon fils, bon, aujourd'hui, il la regarde, il ne la cache pas non plus, et il a mis un certain temps à accepter sa cicatrice devant le miroir. Oui, mais il faut s'approprier Et puis voilà, se dire, ben voilà, je vis aujourd'hui avec les poumons de quelqu'un d'autre. Oui. C'est vrai que psychologiquement, il y a tout un travail à faire. Et c'est pour ça qu'il est toujours suivi, hein, de toute façon, au niveau des psychologues. Dès qu'il se pose des questions, il a un numéro, il peut appeler, il est écouté. Dès qu'il y a une poussée de fièvre... il téléphone également, il doit y aller. Après, dans la greffe, le plus difficile, c'est l'année qui suit la greffe. Ah oui. Parce que oui, c'est parce que pendant cette année, donc il y a les phénomènes de rejet qui peuvent se produire. C'est pour ça que Julien, tous les mois, est hospitalisé pour faire des contrôles, fibroscopies, etc. Et après, la première année passée, on peut se dire bon, ben voilà. La première année est passée, je dirais le plus dur est derrière. Mais les équipes sont formidables. C'est vrai que moi, je leur tire mon chapeau. Et comme je disais dans mon mail, j'aurais jamais assez de mots pour remercier la famille du donneur. Je remercie en même temps, je profite du fait d'être à l'antenne. S'il y a des personnes qui écoutent et qui ont eu à faire ce choix difficile... pour les remercier parce que eux ne savent pas, donc comme c'est anonyme, ne le savent pas. Et j'espère juste qu'il y a au niveau des coordinateurs un petit suivi qui est fait vis-à-vis des familles des donneurs pour leur dire, ben voilà, les personnes qui ont reçu les organes vont bien, voilà, simplement ça, pour qu'au moins... je sais que ça ne va pas les réconforter. Oui, c'est... Je comprends. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cela. Qu'est-ce qu'il en est pour les familles qui ont fait ce geste? Est-ce que là, il y a quelque chose qui est mis en place? Peut-être après, pour dire, vous savez, ça s'est bien passé, ça va bien. Elles ne peuvent pas assurer un suivi, ce n'est pas leur rôle. Non. Mais peut-être leur dire, vous avez raison, quelque chose. Parce que mon fils m'avait dit... je sais que c'est pas possible et j'ai quand même demandé au professeur et il m'a dit moi j'aurais bien voulu remercier la famille du donneur et le professeur lui a expliqué que c'était pas possible, qu'il fallait que ça reste anonyme parce que c'était trop lourd aussi pour lui à apporter d'attendre des réponses à ses questions. Qui me l'a donné, est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était une femme, est-ce qu'il était en bonne santé, qu'est-ce qu'était sa vie avant, etc. Donc c'est la raison pour laquelle l'anonymat est respecté. Mais néanmoins, j'en profite moi pour remercier les personnes qui ont dû prendre cette décision. Mais j'ai une pensée pour une dame qui nous avait appelé, qui était la grand-mère d'une petite fille qui était décédée dans un accident de voiture et qui je ne sais pas si elle est à l'écoute et qui avait eu des remarques. Les parents, c'était sa fille, les parents qui avaient pris cette décision avaient eu des remarques assez pénibles. Je pense à elle, à eux, ce soir, puisqu'elle appelait, puisque sa fille attendait un autre bébé qui s'est annoncé de façon un peu inattendue, finalement. Et puis, il y avait une autre petite sœur qui... elle se posait aussi des questions par rapport à l'autre petite sœur. Et bon, j'ai une pensée pour cette famille ce soir. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Merci en tout cas, Catherine. Je souhaite à vous et à Julien beaucoup de belles choses pour l'avenir. Merci beaucoup.
beaucoup en tout Merci. Cas. Merci. Au revoir, Bonne Catherine. Soirée, au revoir. Jacques. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Rien de dramatique. J'habite en région centre. Oui. La femme que j'adore, je ne le cache pas, habite en région Aquitaine. Mm-hmm. Alors, le petit souci, c'est qu'on aimerait bien vivre ensemble. Oui. Et puis qu'à partir de là, bien évidemment, elle ne voudrait pas déménager de la région d'Aquitaine. La cause est la suivante. Il y a un escalier au premier étage à monter. Et elle a peur, tout simplement, de ce fameux escalier. Comment pourrait-on, à votre avis, résoudre ce petit problème ? C'est une bonne question, ça. Attendez, elle est phobique des escaliers ? Oui. Exact. Elle trouve un appartement sans escalier ? Oui, mais elle est en location, cette charmante personne. Non, mais vous, prendre un appartement sans... Sans escalier, vendre le mien. Pardon ? Vendre le mien, c'est ce que je lui propose. Éventuellement ? Oui, c'est pour trop un souci. Et on reprend un sans escalier ou avec ascenseur. Ça se soigne, hein, une phobie des escaliers. Pardon ? Une phobie des escaliers, ça se soigne. Ah, c'est ce que je lui ai dit. Bon, mais au-delà de ça, peut-être qu'elle n'a tout simplement pas envie de déménager. Hein. Parce qu'après tout, un déménagement, c'est un changement important. Elle a peut-être des attaches dans sa région, un travail, des attaches familiales, affectives, amicales, et cela lui fait peur aussi de déménager. Donc l'escalier, peut-être un prétexte aussi. Hein. Ah, ça, je ne peux pas me mettre à sa place. Enfin, je sais qu'elle a peur quand même des escaliers. Non, mais ça, d'accord. Mais bon, une phobie, quelle qu'elle soit, on peut la surmonter. Vous le faites pas dire. Parce que c'est quand même un peu invalidant comme phobie. Hein. Parce que des escaliers, elle va en rencontrer beaucoup sur son chemin. Oui, mais elle les évite. Je ne sais pas comment elle fait. Ben, elle les évite, oui, mais enfin, même si elle va même dans des administrations, je ne sais pas, même... Il y a beaucoup d'endroits où il y a... Bon, alors vous me direz, il y a des ascenseurs, mais enfin, vous savez, des escaliers, trois marches, ça peut constituer déjà un début d'escalier. Oui, ben ouais. Justement, dans la résidence où je suis, il y a déjà quatre premières marches. Ben oui. Pour accéder au rez-de-chaussée. Non, mais au-delà de ça, après tout, pourquoi... c'est l'affaire, vous voyez, c'est déjà l'affaire venir sur votre terrain, entre guillemets. Peut-être oui. Qu'elle elle ne se sent pas prête à cela, même si elle a des sentiments pour vous. Parce qu'elle est... Pour toutes les raisons, elle peut avoir des attaches dans sa région. Peut-être que, je ne sais pas, sa famille est en Aquitaine. Et elle travaille, elle a... Sans emploi. Elle est sans emploi, mais elle a sa famille. Sa maman. Oui, bah, c'est une attache... Son frère, sa sœur. Pardon ? Son frère et sa sœur. Oui, donc elle a sa famille là-bas. Oui, tout à fait. Elle est attachée à sa famille ? Oh, il y a des petits soucis avec la maman, quoi. Enfin, un peu beaucoup, quoi. Elle a quel âge, cette dame ? Elle va sur ses 45 ans. Oui. Alors, c'est pas que je veux pas déménager à Bordeaux, parce qu'elle avait trouvé une maison, mais à mon âge, j'ai 44 ans, il faudrait que j'emprunte, grosso modo, entre 100 000 et 120 000 euros. Alors, je ne sais pas si mon banquier me dirait oui pour 120 000 euros. Le souci, c'est bien ça. Mais c'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'il en est au fond. Parce que vous seriez prêt à changer de région. Oui, ça ne me gêne pas pour ce petit bout de chou. Mais vous avez un emploi, vous ? Vous pouvez... Pour l'instant, j'étais en arrêt maladie.
Mais oui, mais justement, mais vous allez à un moment reprendre votre activité. Je le souhaite de tout mon cœur quand même. Oui, mais alors quand vous allez reprendre votre activité professionnelle, vous pouvez être muté. Comment vous allez faire? Pardon? Quand vous allez reprendre votre activité professionnelle. Oui. Est-ce que je vais reprendre mon activité professionnelle? J'imagine que vous n'allez pas rester en arrêt maladie indéfiniment. Non, non, non. Je vous ne dis pas. Non, non, absolument pas. Oui, je compte bien reprendre une activité professionnelle. Donc, ça veut dire que, est-ce que vous pouvez, comme ça, déménager? Oui, mais acheter un appartement, je peux amener une somme d'argent, certes, en vendant celui-ci. Mais emprunter après entre 100 et 120 000 euros... Il faut voir avec votre banque. Oui. Mais enfin, pour un problème d'escalier, ça fait cher, hein? Oui. Mais bon, le problème d'escalier, à mon avis, est secondaire. Est-ce que vous êtes ensemble depuis combien de temps? On se connaît depuis 3 ans. Écoutez, je crois qu'il faudrait discuter plus sérieusement de vos projets, de voir ce qu'il en est et voir. Je pense que derrière cela, même si elle a une phobie, après tout, peut-être que le fait, elle vit seule cette tout dame. À fait. Oui. Mais peut-être qu'au fond, la relation telle qu'elle est actuellement lui convient. C'est-à-dire que vous voyez les week-ends. Je ne vais pas en Aquitaine tous les week-ends. C'est à 350 km de Tours. Oui, mais c'est vous qui semblez demandeur, de plus et d'un déménagement. Ça ne me gêne pas, mais comme vous m'avez dit, c'est vrai qu'un escalier à 120 000 euros, ouais, c'est vrai que ça fait cher l'escalier. Oui. Après, retrouver un appartement en région centre, ça, c'est pas trop un souci, je veux dire. Mais... Non, mais je vous dis, avant de... Parce que là, vous semblez vous parler tout seul de ce projet. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au fond, elle n'a pas forcément le même désir que vous de déménagement et de projet de couple et autres. C'est cela aussi qu'il faut voir. D'accord, d'accord. Finalement. Bien, bien, bien. Je ne sais pas ce qu'il en est, au fond. Je vous entends, vous. Oui. Mais je ne l'entends pas, elle. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il en est, parce que après, on peut surmonter bien des obstacles. Et puis, je vous dis, une phobie peut se surmonter. Et puis, à ce moment-là, quand on veut s'installer ensemble, souvent, il est préférable, ça, je le dis de façon un peu générale, plutôt que d'aller s'installer chez l'autre ou qui a déjà mis en place son territoire, c'est préférable de trouver un appartement un peu ou une maison un peu plus neutre. Alors, j'avoue, évidemment, si vous êtes propriétaire, c'est plus compliqué que quand on est locataire. Évidemment, quand on est locataire, on peut prendre un lieu commun. Là, propriétaire, les démarches sont plus difficiles. Mais je crois que le problème est ailleurs, hein, à mon avis, Jean-Jacques. Voilà. Bien, je vais essayer de voir où est le problème. Oui. Avec cette charmante personne. On va retâter le terrain. C'est le moment de le dire. Bon, j'ai pas d'autres questions. Je vais pas vous blanquer l'antenne plus longtemps que ça. Mais c'est très gentil de vous avoir entendu. Bon courage. On va essayer. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir, bonne soirée. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21, 34 centimes la minute. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez rebondir sur le témoignage de Catherine qui nous parlait de son fils qui a été greffé des poumons et qui avait envie de nous donner de ses nouvelles parce qu'elle a vu le documentaire ce soir qui a été diffusé sur France 2 et qui
qui parlait essentiellement des greffes du cœur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, justement, non. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai appris là en écoutant votre émission tout à l'heure. Et donc, bon, bah, j'étais un petit peu attentive aux témoignages et aux ressentis dont elle avait fait part. Alors, effectivement, moi, j'ai été confrontée à ce problème-là. Il va y avoir 2 ans, fin mars, mon fils est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 30 ans et il a été dans le coma et en mort cérébrale pendant 2 jours. Enfin, dans le coma dans un premier temps et le temps de faire tous les examens, ils ont déterminé qu'il était en mort cérébrale. Et c'est vrai que donc je peux pas faire le parallèle avec le reportage, mais par rapport à ce qu'elle a dit, je pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et donc on a été est reçu effectivement d'une façon extraordinaire par l'équipe déjà aux soins intensifs. Oui. Et puis après, on nous a demandé avec beaucoup de délicatesse si on était prêt à recevoir une équipe qui s'occupe de coordonner justement les greffes. Et on a été approché par 2 personnes différentes donc pendant 2 jours. Qui nous ont posé la question de savoir si on avait envisagé cette solution. Alors bon, la situation est un petit peu particulière. J'étais veuve et remariée, donc j'étais avec mon mari qui n'est pas le père de mon fils. Et j'étais avec son ami, l'ami de mon fils, avec qui il vivait depuis plusieurs mois. Et quand on nous a demandé ça, c'est vrai, dans un moment terrible... elle, sa première réaction, ça a été de dire non, je veux pas. Et puis, bon, en réfléchissant, en l'amenant à réfléchir aux conséquences, finalement, à tout ce que ça entraîne pour quelqu'un d'autre. Et puis, en mettant l'accent sur le fait que c'était une façon pour nous de le faire continuer à vivre au travers de quelqu'un d'autre. J'ai essayé de lui présenter ça comme ça et l'équipe a abondé dans mon sens en disant ça, parce que c'est vrai que son amie n'était pas prête du tout. On a mis deux jours, elle a décidé, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais on en a parlé pendant 2 jours pour finalement prendre cette décision avec effectivement ce désir de se dire il y aura encore une petite partie de lui qui continuera à vivre. Et l'équipe effectivement insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'on soit tous d'accord, qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne qui prenne la décision. Il faut avoir un avis général. Et ah donc, oui, c'est bon, important ça. Oui. Ils mettent beaucoup oui. D'accord, donc, l'accent là-dessus. Peut-être pour la suite. Personnes. Peut-être oui. Pour la suite, après que la famille ne se déchire pas après. Oui, peut-être. Ils nous ont pas expliqué. Hein. Disons qu'on était 2 à prendre la décision. Moi, parce que c'était mon fils. Oui. Et son amie avec qui elle avait des projets d'avenir. Oui. Donc, puisque mon fils avait 30 ans, elle en a 24 maintenant. Mm. Et donc, elle était concernée autant que moi, sinon plus. Oui. Bon, c'est vrai que c'était moi qui avais la décision finale, mais ça me semblait pas du tout... il me semblait pas du tout normal de prendre cette décision sans elle. Et donc l'équipe insiste beaucoup là-dessus en disant, bon voilà, de toute façon, on ne vous oblige pas, on ne vous force pas. Alors par contre, il y a eu, si je peux dire, un couac, parce que quand ils nous ont parlé d'organes, des organes qui pouvaient être récupérés par rapport à ce qui lui était arrivé, donc bien entendu, il n'était pas question de récupérer le cœur. Ils nous ont parlé donc du foie et des reins. Oui. Et ils nous ont parlé des tissus. Et alors là, quand ils nous ont parlé des tissus, moi j'ai dit non tout de suite, parce que pour moi, les tissus, ça sous-entendait qu'on allait le défigurer, et on l'a su qu'après. Et là, j'ai beaucoup regretté qu'on n'ait pas été assez bien prévenus. Oui. Parce que quand ils parlent des tissus, ils parlent de la cornée, ils parlent des vaisseaux, des artères, des choses comme ça. Pour eux, ce sont des tissus. Donc, ah oui, vous pensiez qu'ils allaient s'en prendre à sa oui, peau
À son, oui, à son physique et que ça allait changer quelque chose. Alors que oui, pas du tout, mais ils n'ont pas... Oui, c'est un terme médical et ils ne vous ont pas suffisamment expliqué. Voilà, tout à fait. Donc on a dit non tout de suite. Je l'ai regretté après parce qu'effectivement, quand on sait les problèmes que posent justement c'est les donneurs qui sont pas assez nombreux. Donc, et bon, donc on a été vraiment très bien assistés, très réconfortés et ils ont beaucoup insisté aussi. C'était des femmes. Hein. On a eu affaire à deux femmes. Donc il y a beaucoup de femmes. C'est ce qui était. Écoutez, dans le documentaire, les ce qu'on appelle les coordinateurs au niveau de justement des dons d'organes, celles qui vont parler aux familles comme vous, c'était exclusivement des femmes ce soir dans le documentaire que l'on a vu. Je ne dis pas que c'était le cas, que c'est le cas en général, mais ce soir, celles qui ont été qui étaient interviewées, c'était exclusivement des femmes. Mais ça peut se comprendre. Je vois ça très bien parce que bon, remarquez, c'est vrai qu'il y a des donneurs d'organes, qui ont une famille, je dirais complète avec le père, la mère, mais c'est vrai que dans une situation comme ça, c'est la mère qui est la plus remarquez, je parle peut-être un petit peu pour moi et c'est peut-être pas le cas systématiquement, mais il y a, je pense, c'est une relation un petit peu particulière et on a l'impression d'être mieux comprise par une femme. On perd son enfant, on a une femme en face de soi, on peut peut-être ressentir les choses différemment. Ça donne peut-être moins l'aspect du médecin face, voyez ce que je veux dire quand on est dans un environnement médical où on a vu plein de médecins, où on a vu... Vous voulez dire qu'il y a une dimension, pour vous, ça évoquait une figure maternelle, un peu Peut-être que c'est... Peut-être, c'est inconscient, c'est maintenant que je vous en parle, que je me dis que... peut-être que... Je ne vais pas dire que ça facilite la décision, mais il y a une façon peut-être de s'exprimer, de dire les choses, et qu'une femme peut, en nous demandant ça, peut ressentir... certainement plus, justement, c'est cette demande qui est terrible de demander à la famille, de me demander est-ce que j'étais d'accord pour que... Voilà, pour que... Terrible, parce qu'en plus, ça, effectivement, vous êtes dans... Ça doit se faire dans le moment où vous êtes déjà dans le choc épouvantable de vous apprenez dans, c'est ça en plus, l'arrêt cardiaque dans c'est tellement, c'est une jours, telle brutalité dans les 48 heures vous devez prendre une telle décision donc et vous êtes déjà en état de choc et en plus si cette décision est compliquée. Quelque part c'est vrai que ça ne m'avait absolument pas effleuré l'esprit parce que bien entendu, d'autant plus que c'était la deuxième perte. J'avais déjà perdu un enfant 9 ans plus tôt, mais dans des conditions différentes. Donc c'était un accident de voiture, donc il n'y avait pas du tout de le problème ne se posait pas parce qu'il n'y avait pas de mort cérébrale. Mon fils était décédé sur le coup et donc dans ces cas-là, ça ne se fait pas. Et donc je n'avais jamais été confrontée à ce problème-là, même si on en entend parler, si on entend régulièrement à l'antenne, à la télé, on entend on interpelle les gens puisqu'on sait qu'il y a des qui manquent de donneurs. Et quand on est venu nous poser la question, ça nous est tombé dessus. On s'attendait pas à ça. Alors c'est vrai qu'il y a certainement des gens qui réagissent très mal. Moi, ma seule pensée, ça a été mon fils va continuer à vivre au travers de quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Ça a été donc pour moi ça m'a absolument pas posé de problème. Le problème a été de décider son amie parce que elle ça a été un non catégorique tout de suite et finalement elle a fini par accepter pas contre son gré. Elle a adhéré à mes arguments si je peux dire. Et on l'a fait dans une entente commune réelle. Et d'ailleurs, l'équipe, voyant qu'au départ, elle était contre, a bien insisté le lendemain, puisqu'ils nous ont laissé 2 jours pour réfléchir. Vous êtes bien sûr, ils se sont tournés vers elle vraiment en disant, vous êtes bien sûr que c'est ce que vous voulez, que c'est ce qu'il aurait voulu. Parce que c'est pareil, ça aussi, je ne sais pas si dans le reportage, ça a été bien montré. Ce qui était... Ils insistent beaucoup sur le désir
Alors, ce qui était évoqué, c'est plus que la notion de dire finalement, mais assez culpabilisante finalement vis-à-vis des familles, de dire mais vous savez, ça va sauver des vies. Dites-vous que ça va sauver des vies, de faire évoquer la personne. Oui. Disparu, c'est-à-dire oui, voilà. Dire. Et lui, comment était-il? Comment est-ce que c'était voilà. Quelqu'un d'impliqué, d'engagé, de généreux? Voilà, qu'est-ce que finalement pour faire? Oui. Est-ce qu'au fond c'était oui? Qu'est-ce qu'il aurait voulu lui? Voilà, c'est qu'est-ce qu'elle aurait ça. Voulu elle? C'est, pour c'est... essayer parce que c'est une décision. Parce que je reçois, voyez, un message là au 7-21-21 qui dit comment une personne refusant la grève dans l'après-coup du deuil peut-elle gérer la culpabilité de ce refus, mais sans jugement, je me dis, oui, me dit-on. Mais c'est évoqué, justement, il y avait une des personnes coordinatrices qui disait, on ne peut surtout pas juger les parents, notamment, qui disent non. Qui disent non, oui, je oui, ne oui, veux oui. pas qu'on prélève d'organes. Parce qu'elle disait, cette dame, moi je les reçois, les familles, et je vois, je la touche, quoi, c'est la douleur, je les vois écrasées, terrassées, et elle dit, il y en a, c'est impossible qu'on touche à leurs proches, oui. Et elle dit, on ne peut absolument pas les juger. Et je crois effectivement, j'ai perdu le fil de ce qu'on me disait, mais elle disait que c'était important de les voilà, ramener. Parce que elle disait voilà, il y en a qui disaient, certains lui disaient, notamment des parents disaient, j'ai l'impression de, en fait c'est moi qui vais le tuer une seconde fois si je vous dis de toucher à son corps. Donc oui. Face à ça, qu'est-ce que vous voulez répondre? Voyez, donc fait. C'est pour ça qu'en fait souvent c'est les amener à faire parler de la personne. Qu'est-ce voilà, que lui pour... ou qu'est-ce qu'elle oui, aurait oui, aimé oui. Et ce qui est beaucoup plus compliqué effectivement quand il s'agit d'enfants. Oui, et puis de petits, de jeunes de, enfants. De se dire bon, quand mon fils avait 30 ans, hein, donc c'était un adulte, mais le problème effectivement c'est que en règle générale, on ne sait pas ce que la personne aurait désiré. Il y a juste eu effectivement son amie donc qui m'a dit après quand on lui a posé cette question, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Elle s'est souvenue d'une discussion qu'ils avaient eue avec un couple d'amis à eux où une fois ils avaient parlé de ça et mon fils avait dit moi je serais d'accord pour le faire, mais de toute façon ce sera jamais possible parce que je suis tout pourri de l'intérieur. Et voilà, donc bon, bah ça faisait partie de son histoire où il certainement. A, oui, il a qu'est-ce qu'il parcours, voulait dire par là? Oui, bah, il a oui, eu un parcours difficile, il était dépressif, il a et eu oui. il donc, a eu 10 années très très dures. Il avait une image de lui très abîmée. Voilà, tout à fait. Et donc l'image avait été évoquée, il aurait aimé. Mais bon, il se dévalorisait et c'était oui, c'est c'était ça. Sa façon. Ça ne voulait pas dire que forcément il était contre, mais voilà, c'est qu'il avait fait. Une image de lui très très voilà. Dépréciée. Oui, oui, tout à fait. Et Catherine nous disait, donc la maman de ce jeune homme là qui oui. a été greffé, nous disait qu'elle aurait bien aimé, parce qu'elle pensait constamment à vous, hein, les familles de donneurs. Oui, j'imagine. Elle disait qu'elle aurait bien aimé savoir si justement au niveau de la coordination comme voilà. ça, vous aviez, vous pouviez avoir, vous aviez eu de temps en temps des nouvelles, dire... Ça va bien parce qu'il y a l'anonymat qui est garanti. Oui, hein, oui. Bon, et on peut comprendre pour quelles raisons. Mais si vous, quand même, il y avait un petit mot après, s'il n'y avait pas alors, un suivi, mais quelque chose. Parce que alors, j'ai reçu un message de Gabriel des Hauts-de-Seine qui me dit, attendez, je vais trouver, qui me dit, tout en gardant l'anonymat, les familles des donneurs peuvent avoir des nouvelles du receveur par l'agence de biomédecine. Voilà, est-ce que tout c'est à exact fait. Oui, 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 tout à fait. Quand on a pris cette décision, on a eu, bon, elles nous ont donné leur carte de visite en nous disant si vous voulez nous appeler d'abord pour avoir des questions, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, et en nous appelant, vous pourrez avoir des nouvelles des greffés. Donc, je l'ai fait. J'ai appelé un mois après. Donc, on m'a donné, il y a eu donc 4 receveurs
puisqu'il y avait deux reins et le foie qu'on partage en deux. Donc il y a eu 4 receveurs pour mon fils. Et j'ai eu l'âge des personnes qui avaient été greffées. On m'a dit si c'était des hommes, des femmes, et l'âge de ces personnes-là. Et c'est vrai, d'ailleurs, à ce propos, j'ai eu une réaction un petit peu particulière. Quand on m'a donné l'âge, il y avait 2 personnes qui avaient plus de 50 ans. Et c'est vrai que ça m'a... Je ne vais pas dire que ça m'a choquée, mais oui. J'étais un petit peu déçue. J'aurais voulu que ce soit des gens plus jeunes. Mon fils avait 30 ans et c'est bête parce que moi, j'ai 53 ans. Donc, à la limite, j'aurais pu me dire... voilà. Oui. Et j'aurais... sans y avoir pensé avant, quand j'ai su ça, je m'étais dit... j'aurais préféré, moi, que ce soit des plus jeunes parce que, bon, bien ils sûr. Ont plus de... Bon, ça c'est une, c'est non, une mais parenthèse. Ça se comprend, puisque oui. Effectivement, vous aviez l'âge de ces personnes. Or, vous perdez votre enfant. Donc, vous auriez aimé, évidemment, symboliquement, que oui, ça aille à des personnes, qui aient l'âge de votre fils, des personnes de la même génération. Oui, symboliquement, dire, c'était qu'ils puissent aussi qu'il y ait de la vie. Ça va durer. Voilà. Ça va durer. Et par contre, donc, j'ai appelé un mois après. Et j'ai rappelé l'année dernière, l'anniversaire de sa mort, j'ai eu ces dames qui se souvenaient de nous. Et c'est vraiment des gens extraordinaires. Ils ont une vie, ces gens-là, c'est incroyable. Et donc, elles se souvenaient très bien de notre cas, bien sûr, parce qu'ils en ont pas, hélas, ils n'en ont pas des tonnes à gérer. Et elle m'a donc annoncé qu'il y avait une personne qui était décédée, qui avait une maladie des reins et cette maladie s'était propagée aux reins qui avaient été greffés, mais sinon les 3 autres personnes se portaient très très bien. Et donc bon, je vais pas appeler tous les ans parce que bon, voilà, maintenant j'ai eu ma réponse, je sais ce qu'il en est. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de faits parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il aurait pu y avoir des prélèvements de sa cornée, des vaisseaux sanguins, toutes ces choses-là dont on ne nous parle jamais, mais qui sont aussi importantes. Vous avez fait beaucoup, hein, Carole, et après tout, bien sûr que c'est très important, mais là, pour le coup, c'est un défaut d'information, d'explication. Oui. Et je leur ai dit d'ailleurs. C'est important, vous avez bien fait de le dire, parce qu'ils expliqueront davantage, oui, voilà. Parce qu'eux-mêmes ont dû dire, bon, il y a eu un défaut d'information, oui, c'est-à-dire oui. Que la prochaine fois, dire tissu, bien précisé. Ils expliquent ce que c'est. Et oui, voilà. Parce qu'ils apprennent aussi, à travers, comme ça, ils sont tellement dans l'humain, dans la pratique, c'est à chaque fois une aventure, une rencontre tellement singulière que bon, la prochaine fois ils y penseront forcément d'expliquer davantage. Oui, je pense. Donc vous avez bien fait de leur dire. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais et oui. Alors une autre chose aussi, je ne sais pas si ça avait été dit dans le reportage. Bon, le moment de la séparation est terrible, comme ouais. Toujours. Ouais. Je le vivais pour la deuxième fois, donc c'était très difficile. Ouais. Et une chose qui était très bien et que j'espère qu'il était vrai parce que bon, on sait que le côté psychologique est primordial. On sait que ces gens sont très proches, ont beaucoup effectivement de psychologie, de pédagogie. Et la personne, l'accompagnatrice, donc qui nous a suivis dans notre démarche et dans nos réflexions, m'a dit et j'ai beaucoup assisté. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit de toute façon, nous, on est là, on assiste pendant l'intervention. Et je serai avec votre fils jusqu'au bout. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était eux, en tant que médecins, cliniquement, mon fils était mort pour eux. Oui. Pas pour nous. Oui. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, il y a le respirateur, il est encore chaud, on peut l'embrasser, il n'a pas l'aspect de la mort. Voilà, pour nous, il est vivant. Et c'est pour ça qu'on a du mal à admettre que non, c'est pas ça. Et quand ils l'ont emmené, elle a dit, mais elle était avec lui, elle tenait son bras, et elle a dit, ne vous inquiétez pas, je reste avec lui jusqu'au bout. Et normalement, alors je pense que c'est vrai, j'espère que c'est vrai, et ces personnes-là sont dans la salle d'opération pendant le prélèvement. Je pense que si on vous l'a dit, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas vrai. Je pense qu'il y a un très grand respect. Aussi, je pense qu'il y a un très grand respect.
par rapport aux familles déjà qui prennent cette décision si difficile et donc au respect par rapport aux personnes oui, mais après, sur qui... Oui, mais après, moi, je me suis dit, bon, ils sont quand même après dans le feu de l'action parce que ça doit se faire très vite. C'est, oui, mais... Il y a une oui. équipe médicale énorme hein, qui fait... Oui, ils sont obligés que ça aille vite, mais regardez, ils veillent à respecter quand même une intégrité corporelle oui. pour que l'apparence, le corps ne soit pas abîmé. Oui, oui, c'est-à-dire, et ça, il y a un respect des familles. Ils donc, ils nous le disent aussi. Ça. Donc, ils nous rassurent. Ça ne peut pas, ce n'est pas fait n'importe comment, c'est oui. pas fait. Donc il y a un souci de faire vite, mais faire vite, ça ne veut pas faire mal. Oui, oui. Vous voyez, donc oui, je crois qu'il y a un souci de respecter à la fois les familles et puis la personne qui est là, même si la personne n'est plus en vie. Oui, oui, oui. Mais c'est très fort ce que vous nous dites. Ça n'a pas été dit comme ça dans le documentaire, mais ce qui a été dit, effectivement, c'est que on veillerait par rapport aux greffes de cornée, enfin de faire en sorte que la personne ne soit pas abîmée, ah oui, reconstituée, oui, oui. enfin vraiment pour oui, oui, préserver c'est au maximum son intégrité, son apparence. Et ils le disent tout de suite, ça, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est. C'est primordial hein, pour nous. La oui, bien sûr. Se fait deux fois. Bien sûr. Se fait deux oui. fois. Et je pense quand vous disiez cette maman qui a refusé, qui voulait pas qu'on touche son fils. Oui. Moi, ce ressenti que j'ai eu quand on m'a proposé ça parce que ça ne m'avait absolument pas effleuré l'esprit et que tout de suite, sans hésiter, j'ai dit oui tout de suite parce que moi, tout de suite, je me suis dit mon fils va continuer à vivre. Et je pense que peut-être, je ne sais pas comment réagissent les autres familles, je ne connais personne qui a eu cette expérience. Ce que je crois pouvoir dire par rapport à mon ressenti, c'est que le fait d'avoir perdu un premier enfant, je n'ai pas pu le faire. Et je crois que ça m'a fait prendre conscience de ça à ce moment-là, de dire voilà, ben... Pour Florian, puisque mon premier s'appelait Florian et Thibault. Et pour Florian, j'ai pas eu quelque part cette chance de pouvoir lui donner l'occasion d'aider quelqu'un et de vivre au travers de quelqu'un. Et je pense que c'est pour ça que tout de suite j'ai réagi comme ça. Mais je comprends tellement une maman qui peut dire non, je veux pas qu'on touche à mon fils, c'est trop. En tout cas, c'est très rare d'entendre les parents, les familles comme ça, de comme vous, Carole, et je vous remercie infiniment de ce témoignage qui a beaucoup touché hein, les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir, Carole. Je vous embrasse. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39-21, toutes vos réactions à ce même numéro si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice ou par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7-21-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Beaucoup de réactions suite au témoignage très bouleversant de Carole qui nous expliquait que son fils de 30 ans, décédé d'un arrêt cardiaque, Carole a pris la décision finalement de donner ses organes et c'est rare d'entendre de tels témoignages. Alors c'est vrai que son histoire vous a
émue. Patricia dit je vous admire parce que je crois que je n'aurais pas eu votre courage. Granate dit formidable maman qui malgré deux drames dans sa vie reste dans la générosité, l'ouverture aux autres. Il y a Gabriel des Hauts-de-Seine qui dit oui, c'est exact que Carole se rassure, les coordinatrices assiste au prélèvement sur le corps du défunt jusqu'au bout. Et puis il y a Cécile qui dit votre témoignage est bouleversant d'émotion. Je vous embrasse avec toute ma tendresse et ma carte de donneur d'organes est dans mon portefeuille. Il y a également First Lisa qui dit je trouve cette dame admirable d'humanité. C'est également Cathy qui dit cette dame est formidable parce que avoir perdu deux enfants et parler ainsi, c'est rare et Cathy était très touchée de l'entendre, ainsi que Coco qui demandait s'il y avait des psychologues dans l'équipe des coordinateurs. Oui, bien sûr, hein, dans l'équipe, il y a toute une chaîne comme ça et les psychologues en font partie. Voilà, il y a Fabien aussi qui dit « J'ai eu un grave accident, j'ai été renversée dans les passages cloutés et j'ai été sauvée grâce à un don de sang. Alors merci à tous ceux qui donnent leur sang. » Alors on va passer un petit peu de musique et puis après nous accueillerons Philippe. Un message de Mirabelle qui concerne encore les dons d'organes, qui dit « Aux États-Unis où j'ai vécu et enseigné 19 ans, la mention de donneur d'organes figure sur le permis de conduire. Dans la mesure où celui-ci est renouvelé tous les 5 ans pour une somme modique de 10 euros puisqu'il sert de carte d'identité et met à jour notre photo, tous les conducteurs peuvent décider ou non de cette mention. Et au moment d'un accident de la route, nous avons toujours notre permis sur nous. Combien de vie serait sauvée en France si cette mention était rajoutée sur notre permis. J'ai regretté, en revenant en France, la difficulté de transmettre qu'en cas de mort cérébrale ou autre, j'étais donneuse d'organes, dit Mirabelle, qui dit elle dit, dans le cadre de l'apprentissage du code puis du permis de conduire, toujours aux États-Unis, c'est gratuit, enseigné dans les lycées, le don d'organes est présenté et encouragé. Et puis Guillaume dit J'ai écouté cette dame qui témoignait du don d'organes et bravo madame pour votre courage, votre voix lumineuse, votre générosité. Je ne suis pas vraiment pour le don à titre personnel, mais vous me touchez profondément. On accueille, là je reçois un message de Cathy. Cathy est personne qui dit on a refusé que je fasse un don de sang parce que je suis aveugle, aberrant. Non, c'était un camion au Jardin des Plantes. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Je vois pas en quoi... Vous êtes sûr que c'était bien Cathy, un camion pour les dons de sang? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Je vois pas en quoi les non-voyants ne pourraient pas donner leur sang. C'est la première fois que j'entends ça, mais bon, je ne suis pas en même temps au courant. On va accueillir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline et bonjour à toute votre équipe. Alors Philippe, vous vouliez nous parler de solitude, je crois, ce soir. Oui, c'est parce que là, j'ai rebondi. Vous aviez fait une émission sur ce thème il y a à peu près une quinzaine de jours. Oui, on a parlé effectivement de la solitude sur un mode un peu différent, c'est-à-dire la solitude qui pouvait être finalement une source, même si au départ elle était un peu subie, dans laquelle on pouvait trouver une source peut-être de réflexion sur soi-même, d'approfondissement, un peu de retour sur soi-même, qui n'était pas forcément, qui pouvait être constructive, voilà. Oui, ben, alors dans la mesure où la solitude n'est pas l'isolement, hein, c'est non, différent non, aussi. Oui. Ben moi, pour ma part, la solitude, je l'ai vécue sous différentes facettes, hein, parce qu'elle a toujours des facettes un peu différentes.
et la solitude qui nous est imposée par des accidents de parcours. Hein, ce fut mon cas la première fois, quoi. Bon, je faisais des cures pour addiction en alcool. Et puis après, bon, bah, je me rendais compte que comme j'avais changé et que mon environnement ne changeait pas, lui n'avait pas changé, je me retrouvais seul. Donc là, j'ai pris conscience que on peut être solitaire, mais quand on est solitaire, quelque part, on était différent un peu des autres. Hein, contrairement à un enfant qui va dès sa naissance avoir un côté un peu solitaire, comme on dit, qui se met dans son coin, qui se fait son monde. Lui, le fait au départ. Alors là, à partir de là, moi, quand j'ai vécu cette situation-là, j'ai été obligé de me structurer et de faire en sorte que cette solitude ne soit pas un pavé pour moi. Hein, alors j'ai reconstruit en étant seul. Je me suis recréé un mode de vie, je me suis recréé un mode de pensée, je me suis recréé tout à fait une organisation qui m'était personnelle et qui me convenait très très bien, quoi. Oui, mais là vous me dites, Philippe, que déjà enfant, vous étiez un enfant solitaire. Non. Je disais, moi ça m'est arrivé suite à une cure, mais il y a des enfants où ça commence très tôt, la solitude. Moi je n'étais pas. Oui, mais justement, là ça pose peut-être question. Pourquoi un enfant s'isole? Parce que vous, ça vous est arrivé suite à une cure. Alors déjà, l'alcool, c'est un repli sur soi. L'alcool, souvent, il peut y avoir un problème de dépression derrière. La dépression, il y a quand même un repli sur soi. L'alcool, il isole. On est bon. Alors, vous faites référence à l'enfant, à l'enfance. Un enfant solitaire, là aussi, ça interroge, hein. Moi, quand ça m'est arrivé, moi, j'étais adulte. Oui, d'accord, j'ai compris ça. Non, mais moi, j'étais pas dans le cadre de certains de mes petits camarades que j'ai côtoyés en primaire ou dans les centres, qui, eux, déjà étaient des solitaires au départ. Hein. Moi, j'avais toujours été... je partageais, je jouais, je m'intégrais... Mais c'est vrai qu'il y a des individus qui ont leur petit monde, ils se font leur bulle. Mais ça veut pas dire qu'ils sont tristes, hein. Je pense que dans leur monde, ils sont bien. Alors après, bon, ben, quand ils vont grandir, ils auront peut-être cette facilité après à pouvoir se servir de ce temps, de cette route qu'ils se sont faite, qui est la leur, pour pouvoir faire un break par rapport au stress, par rapport à tout. C'est-à-dire que c'est plus facile quand on l'a fait tout petit, quand on est quand on n'est pas bien, de se dire bon ben je me remets comme j'étais avant, hein, pendant 15 jours je me mets seul, je prends mes bouquins ou je prends mes cahiers de dessin ou je prends mes raquettes et je vais marcher et je me ressource, quoi. Parce que la solitude en elle-même, c'est pas accablant, hein, contrairement à ce que les gens pensent ou peuvent penser, c'est pas une situation accablante, hein. Parce que la solitude, il y a cette forme-là quand elle démarre très jeune, quand on est petit, puis après il y en a une autre, c'est les solitudes, mais si vous voulez, dans le couple, où là c'est plus dur, parce que moi je suis toujours parti du principe. Après l'expérience que j'ai eue, parce que nous avons divorcé, j'ai dit, moi, je préfère une solitude seule qu'une solitude à deux. Parce que lorsque vous êtes, vous vivez avec votre conjointe et qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien, c'est dur, c'est très très dur. Hein. Par contre, vous, une fois que vous êtes seul, en étant seul, c'est vous qui faites votre programme. Parce que là, vous pouvez rien projeter, quoi. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors moi, la solitude à deux est la pire. D'ailleurs, j'en reçois un petit message de l'imparfait du subjonctif qui cite Léo Ferré, qui dit « Tout seul, peut-être, mais peinard ». Ah oui, ça... Ah oui, ben, ça rejoint un peu
Ce que j'essaie d'exprimer, hein, c'est que, ouais. Bon, moi, ce sont des phases que j'ai connues. Hein, Et puis moi, oui, bien, mais en même temps, Philippe, oui, mais quand vous avez un moment sombré dans l'addiction à l'alcool, là, on n'est pas dans le bien-être, hein, quand on plonge dans une addiction, quand même. C'est on comble quelque chose. Et pour revenir à l'enfance que vous évoquez, qui me tient à cœur, l'enfant qui se crée un monde imaginaire, c'est souvent en réaction qui se, c'est, il va à quelque chose, une peut-être justement pour échapper, pour fuir un sentiment de solitude, un manque d'attention. Et il va se réfugier, il va se créer son monde. Et ça peut être constructif par la suite, ça peut donner lieu à des artistes. Hein. Certains vont devenir des peintres, des écrivains, vont prolonger finalement ce talent, c'est-à-dire cet imaginaire qu'ils ont mis en place, qu'ils ont développé dans l'enfance, parce que c'est ce qui leur a permis de tenir finalement, oui, oui. D'échapper à une réalité qui était difficile, là où d'autres peut-être auraient développé... je ne sais pas, une dépression ou d'autres troubles psychiques. L'imaginaire a été leur refuge et certains, en grandissant, deviennent des artistes accomplis. Ben, actuellement, c'est un petit peu mon cas. Parce que, du fait que je suis seul, alors je me suis remis dans mes passions quand j'étais jeune, le dessin, le pastel... Oui, et puis oui. L'acrylique, je prends des cours dans un atelier. Oui. Et c'est vrai que c'est mon plaisir, c'est un plaisir pour moi, mais que, oui, je comprends. Que je ne faisais pas ou que je ne faisais plus lorsque nous étions en couple. Oui, et oui. Mais ça, je veux dire par là, être seul ou se donner le temps d'être seul de temps en temps, hein, oui. Je pense que ça peut être que bénéfique pour les personnes. Mais oui, parce que finalement, vous le dites bien, quand vous étiez en couple, vous donniez plus le temps, vous autorisiez plus cela. Non. Alors que, au fond, cette solitude vous permet de renouer avec vous-même et avec votre imaginaire, avec cette créativité, avec tout ce que vous avez en vous, hein, potentiel. Oui, je vous rejoins. Hein. Oui, mais je ne le dis pas, c'est que c'est quelque part, il ne faut pas en avoir peur, quoi. C'est pas parce qu'on va se retrouver seul que tout est foutu. C'est pas vrai. Je connais plein de gens autour de moi, même des copines, hein, qui ont à peu près mon âge, et qui, Vous avez quel âge, si moi, c'est pas indiscret? Moi, j'aurais 59 ans au mois de mars. Oui. Mais qui sont... elles sont très bien comme elles sont, elles s'assument. Qui dit solitude ne veut pas dire ermite non plus, hein, attention. Hein. Il ne faut pas rentrer tout de suite, il ne faut pas que les auditeurs s'imaginent que... Non, mais je veux dire, de temps en temps, une fois, tous les deux mois, on se fait une petite bouffe ensemble et tout. Et après, le reste du temps, bon, chacun retourne dans son petit coin et fait ce qu'il a envie de faire, quoi, à son rythme et puis comme ça lui plaît. Oui, oui, vous êtes plus heureux finalement aujourd'hui que lorsque vous étiez seul dans votre couple, parce que ça, c'est terrible d'être... parce que vous étiez d'autant plus malheureux que vous ne pouviez pas... vous n'étiez pas compris et en plus, vous ne pouviez pas vous exprimer. Bien sûr. À tous les sens du terme, vous n'étiez plus relié à vous-même. J'avais les ampres. Et moi, je suis un passionné de maquettes, de dessins, très manuel. Et puis, cet étape-là a été passée. Et puis, il s'est avéré qu'il y a eu un fait nouveau encore après, hein, qui est assez récent, là. Hein, parce que mon divorce, il date à peu près il y a 17 ou 18 ans. Et moi, j'avais rencontré une jeune femme. On vivait ensemble. Mais le problème, c'est que elle était
trouvait trop, trop fusionnelle avec moi. C'est-à-dire, elle avait du mal à s'exprimer, la puce. Hein. Et puis, un jour, je lui dis, écoute, moi, ce que je te propose, on va faire un break. Hein. Chacun de son côté, hein, on va réfléchir. Et puis, ça fera du bien. Eh bien, c'est que maintenant, la puce, eh ben, elle refait beaucoup de sport. Elle s'est remise à sa passion du cinéma. Elle refait de la guitare. Vous voyez ? Et moi, je suis à fond dans mes dessins. Et on se voit une fois de temps en temps comme ça. Mais on a plaisir quand on est ensemble. Mais alors, on a aussi plaisir d'être chacun chez soi, quoi. Ça donne un juste équilibre. Je comprends. D'ailleurs, encore un message de l'imparfait du subjonctif qui est très en verve ce soir, qui nous dit, qui cite Nietzsche maintenant, qui dit « l'art, rien que l'art, pour ne pas mourir ». Oui, mais c'est, vous le mettez en pratique. Hein. Il y a Chantal qui dit « je suis d'accord avec Philippe, je suis plus équilibrée seule et la solitude ne me pèse pas ». Et puis, il y a également Granate qui dit « d'abord j'ai subi avec courage la solitude, puis j'en ai fait maintenant une amie et j'y trouve aussi un certain bonheur ». Il y a Prune qui dit « rien n'est pire que la solitude à deux ». Et puis il y a Osiris qui dit « d'où l'importance du 1 plus 1 égale 3 dans son couple ». C'est-à-dire ne jamais oublier qu'il y a la relation aussi. Hein, c'est-à-dire oui. qu'il y a soi, l'autre et la relation. Et il y a Petite Plume qui dit « la solitude choisie n'est pas la solitude ». Pour ma part, je l'associe au silence. Me vient à l'esprit « ces pères du désert méditant ». Oui, enfin, la solitude choisie, si, c'est la solitude. Je crois qu'il y a une différence entre solitude et isolement. C'est ça, c'est-à-dire oui, qu'on peut bien, oui. aimer se retrouver face à soi-même, et effectivement, dans le silence, dans une forme de méditation. Oui, ben moi, je fais pas mal de sophrologie. Il y a des moments, j'aime bien être chez moi, qu'on me dérange pas, quoi. Je m'allonge sur mon lit... Et puis, je me mets une musique de sophro, et puis... Ouais. Tranquille, et vous partez. Pardon ? Ça vous inspire pour, après, oui, votre peinture ? C'est une séance de relaxation, ouais. quoi. Mais moi, j'adore ça, quoi. Je reçois un message, alors je ne sais pas si c'est Fabien ou Fabienne, qui dit « je vous comprends ». Ah, ça doit être Fabienne, parce que c'est signé « car je suis seule dans mon couple ». Et puis, il y a Luciole qui dit « ne pas confondre, évidemment, solitude choisie, la solitude choisie qui peut être bénéfique, la solitude subie, qui est souvent douloureuse, qui est toujours fait, douloureuse. Ouais, » hein. Il y a Tia qui dit « solitude, solitude, ma douce amie, c'est grâce à toi que j'ai pu développer ma poésie pour pouvoir faire face à la vie ». Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est un petit peu les messages qui arrivent en réaction à votre témoignage, Philippe. Parce que, bon, pour en gros, je veux dire, la solitude n'est pas un boulet en soi. Ça dépend comment elle est vécue, mais et puis ça dépend vécue, oui. comment... je crois qu'elle peut l'être au départ, mais ça peut être l'occasion d'explorer aussi, oui. En soi, de partir à la recherche de soi-même, c'est ça. Alors qu'on peut avoir très peur de soi. Le départ, il n'est pas toujours évident. Hein. Voilà, mais ça peut être l'occasion, comme toute chose, comme tout ce qui peut paraître difficile, faire, quoi, de toujours... partir en quête de soi-même. Oui, hein, moi c'est je ça. Pense qu'il faut toujours essayer de... dans une situation de chercher le positif, de ce qu'on peut en tirer de toute façon. Évidemment. Et puis, comme dit, hein, je le répète, c'est pas parce qu'on aime les moments de solitude qu'on est un ours ou une ours. Non, mais ça n'a rien à voir, je crois. Ça n'a rien gens, à voir avec l'isolement. Oui, oui mais beaucoup de personnes assimilent les deux. Oui, mais là, on l'a bien répété, je crois que, le message est passé, Philippe. Je crois que c'est bien passé. Merci en tout cas d'en voilà, avoir parlé. Bah moi, on en parle merci. Beaucoup et c'était important de vous entendre. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
Il y a des messages. Brigitte me dit « Je ressens la solitude comme une forme d'oxygène indispensable, mais pas quand elle est traversée de tristesse et de sentiments d'abandon. » Et puis, il y a également le passeur de nuit qui dit « Ma solitude choisie ne m'empêche pas de devoir faire face à certains de mes démons. » Oui, mais ça, vous savez, nous devons tous hein, parfois faire face à nos démons intérieurs. Hein. Solitude ou pas, et la solitude nous y confronte particulièrement puisque nous sommes face à nous-mêmes. Et puis il y a Laura qui pose une question intéressante par rapport à ce que disait Philippe, le fait de pouvoir peindre ou de développer d'autres activités artistiques, qui dit « Mais pourquoi le fait d'être en couple empêche-t-il de faire tout ça ?» Oui, vous avez raison Laura, ça ne devrait pas nous empêcher de faire tout ça. Mais parfois, il arrive malheureusement que dans la relation de couple, on s'oublie. Et qu'on oublie de penser à soi et à ce qui est important, à notre équilibre, à notre bien-être. Et au détriment de l'autre et finalement il y a des frustrations qui s'accumulent et qui vont mettre en péril la relation. Donc il faut jamais oublier que ne pas se perdre de vue et ce qui est essentiel aussi à notre équilibre. Alors, Fifi vient de m'apporter des courriels qui reviennent hein, sur le témoignage. Évidemment, c'est un peu le fil conducteur de la soirée. Et, c'est Catherine qui avait démarré sur la soirée sur les dons d'organes. Ça fait suite au documentaire qui a eu lieu ce soir sur France 2. Et vous avez été très bouleversée par le témoignage de Carole, cette maman qui a accepté que l'on prélève des organes sur son fils qui est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 30 ans. Et Liliane envoie un petit courriel pour dire respect à cette dame témoignant sur un sujet grave, ayant perdu ses deux fils. Elle reste sereine, confiante en la vie, digne. Respect, dire qu'on se plaint d'aise parfois, quelle leçon de vie. Merci à elle de sa simplicité et de sa foi en la vie. Et puis Stéphanie qui dit merci à votre dernière auditrice, donc c'était Carole, pour son courage. Et moi-même été greffée 3 fois de suite de cornée et c'est grâce à des âmes généreuses, merci de tout cœur. Il y a également Jackie qui dit de toute façon, le corps d'un défunt est voué soit à la décomposition, soit à la consommation après le décès. La conscience de cette réalité ne pourrait-elle pas aider les proches à opter pour le prélèvement d'un organe qui est un formidable acte de générosité permettant à une autre personne de continuer à vivre? C'est une question. Cela dit, il me semblerait approprié que dès son passage à la majorité, chaque personne soit consultée par anticipation sur sa volonté par rapport au prélèvement de ses organes au cas où il devrait se trouver un jour en état de mort cérébrale. Et puis Annabelle Lee dit « Je suis moi-même atteinte d'une pathologie cardiaque, je suis soignée pour le moment, ça va, mais qui sait ? J'ai un immense respect pour les donneurs et leurs familles qui donnent la vie une deuxième fois à des anonymes. C'est un don d'amour incomparable et hautement précieux. Merci à eux. » On accueille Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. 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 Moi je vais être la voix discordante au milieu de toutes ces femmes admirables, d'ailleurs, qui ont consenti au don d'organes de leurs enfants. Moi, j'ai perdu ma fille qui avait 35 ans d'un AVC brutal. Oui. Mais elle est restée encore quelques jours dans le coma et elle a été transportée dans un institut. Et bon, bien entendu, je l'ai suivie ainsi que son frère et son compagnon. Nous lui avons beaucoup parlé pendant ces quelques jours. Elle était tellement belle. C'est une fille magnifique. Elle avait 35 ans et elle était vraiment très très belle. Bon, c'est pas tout, mais on ne savait pas du tout ce qu'elle voulait. Pardon, ce qu'elle voulait après. Mais je ne crois pas qu'elle aurait
aimé qu'on prenne ses organes. Enfin, le fait est que quand le chirurgien m'a appelé dans son bureau avec son frère et son compagnon pour m'annoncer qu'elle était en mort cérébrale et qu'on ne pourrait pas continuer à la garder bien longtemps comme ça, qu'on allait la débrancher, il nous a tout de suite et très froidement, il n'y a pas eu d'entourage, nous n'avons eu aucun accompagnement. Il a demandé très froidement si nous étions prêts au don d'organes. Et d'un même élan, tous les trois, nous avons dit non. Nous avons dit non. Mais c'était plus instinctif que réfléchi. Oui. Mais je dois dire que nous ne l'avons jamais regretté. Pour nous, quelque part, elle est encore là, comme elle était très rieuse. Quelquefois, je crois l'apercevoir. Je vois une jeune fille qui a la même couleur de cheveux. Je vois une fille qui a sa silhouette. Je vois. Pour nous, elle est quelque part. Elle est pas. Moi, je n'ai pas fait de deuil de ma fille. Elle est quelque part. Voilà. C'était il y a combien de temps ? Il y a 7 ans. 7 ans. Je n'ai pas assisté à son enterrement non plus. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas avoir enterré ma fille. Mm. Pour moi, ce n'était pas possible. C'était quelque chose d'inadmissible. D'inadmissible. Mm. Bon, j'ai été très aidée par mon médecin qui m'a fourni des médicaments, qui m'a aidée. Et voilà. Alors, je comprends très bien que ça doit paraître terriblement égoïste. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas parler d'égoïsme. Je ne sais pas si vous écoutiez, si vous avez écouté toute l'émission. Oui, et je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire non, ou pas. Non, vous n'avez pas regardé. Non, il n'y a pas pu. Ouais, c'était trop douloureux. Oui. Non, il était bien dit, hein, et pourtant, c'est des personnes qui travaillent, des gens de coordinateurs au niveau des dons d'organes et qui disaient que. Qui rencontrent des familles comme vous, hein, Daniel, qui disent non. Et vraiment, c'était unanime. On ne peut pas porter de jugement. On n'a pas le droit de porter de jugement parce que il y a une trop grande douleur et c'est tout à fait respectable et on peut comprendre. Enfin, personne ne peut juger, ne peut savoir comment il réagirait face à de telles situations. Je le crois aussi. D'ailleurs, nous ne l'avons pas regretté. Moi, je ne crois pas avoir fait mon deuil. Non. Ben non, semble-t-il. C'est. Non, mais. Puisque vous la cherchez partout, au fond, votre fille. Je la vois partout. Vous la voyez partout. Pas, mais je la vois partout. Hum. Bon, quand je vais. Si je vais au cimetière, c'est pour apporter des fleurs vivantes, quoi. Pas artificielles. Et après, venir en les changer. Parce qu'elle n'aurait pas aimé ça. Et j'ai. Une de ses amies intimes qui est devenue aussi la mienne et qui est tout à fait d'accord aussi. Donc on doit être plus nombreuses que... Bien sûr, on doit être plus nombreuses à dire non spontanément et sans trop réfléchir. Mais je crois que même dans la majorité des cas, spontanément et sans réfléchir, Daniel, c'est le non qui vient. Oui. Un nom qui vient du cœur des tripes, j'ai envie de dire. Tripes, oui. Ah oui. Je crois que spontanément, c'est le nom qui vient. C'est tellement épouvantable. Ils en parlaient. Je crois que l'accident vasculaire cérébral, la mort cérébrale, c'est terrible. La brutalité. Oui, c'est terrible parce que ça reste. Oui. Et puis on les voit endormis. Oui, il expliquait très bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, la personne n'est absolument pas abîmée. Vous le dites d'ailleurs, votre fille était très belle. Elle reste, le corps est beau, rose. N'a pas du tout l'apparence de la mort. Non. Vous voyez avec le respirateur. Comme si elle respirait. Donc vous ne pouvez pas imaginer qu'en fait elle n'est plus, elle est cliniquement morte, ce qu'on appelle. C'est très dur de se l'imaginer. Oui, c'est très dur. Et oui. Moi, il me semble que pour survivre, parce que maintenant j'ai 2 petits-enfants, donc je m'occupe beaucoup d'eux, etc. Et ma fille, elle est avec moi. Je la vois. Elle est avec moi. C'est les petits enfants. C'était non, pas d'elle. Non, pas d'elle. Oui. Non, de mon fils. Oui.
Mais nous arrive avec mon fils d'en parler parce que oui. c'est lui qui a fait le plus dur, c'est-à-dire qui a assisté à la fin, au final, quoi, au débranchement et tout ça. Moi, j'aurais pas pu. Vous ne pouviez pas. Non. Non. Pourtant, je suis une femme courageuse. Hein. Oui. En ce qui me concerne, je ne suis ni douillette ni faiblarde. Non. Oui, mais là, c'est pas vous qui étiez en cause. C'était trop pour moi. C'était votre enfant. Oui, fusionnel en plus, comme on y était. Voilà. Oui, puis c'est d'une telle brutalité, voilà, rien ne laissait présager cela. Ah non, rien du tout, rien du tout. Et puis je trouve que ce chirurgien, je bien mais c'est ça. Il a été très dur, très dur. Il nous a annoncé ça brutalement. Bon, nous, on avait encore quelques espoirs, petit, mais quand même. Oui, je crois que cela compte beaucoup aussi. Parce que la façon dont on tout le moment de l'annonce dont on peut vous laisse. Pas dire qu'on a été ménagé, hein, non. Mais j'ai eu un message aussi c'est Claude qui me dit je souhaite apporter un bémol. Mon beau-frère, justement, par rapport à tout ça, mon beau-frère a fait une rupture d'anévrisme il y a 17 ans, tout juste. Les choses ne se sont pas passées de manière aussi idyllique. Pas de prise en charge psychologique, pas de soutien, pas de suivi, pas d'explication en vue d'un prélèvement, mais plutôt une pression jusqu'à obtention d'un accord. Souvenir plus que douloureux, nous dit Claude. Oui. Alors, c'est vrai que là, bon, c'était il y a 17 ans pour Claude. Je crois que ça dépend beaucoup. Apparemment, là, on voit, ça fait beaucoup de progrès hein, dans la prise sans en charge, doute, dans l'accueil. Ça fait que 7 ans. Oui. Mais peut-être que vous êtes malheureusement tombé sur quelqu'un qui a été excessivement maladroit. Excessivement maladroit. Mon fils, j'ai vu le moment où il allait le frapper. Hein. Mm. Mais bon, on ne se retient pas toujours quand c'est comme ça. On vit sous pression pendant quelques jours. Et puis brutalement, on vous dit non, c'est fini, allez, il faut la débrancher. Et puis, puisqu'on en parle, est-ce que vous êtes prêt à donner ces organes? Non, mais on peut tout à fait comprendre votre décision. Je vous remercie parce que j'ai l'impression quelquefois, je me dis que ton égoïsme. Non, c'est pas, il n'y a pas d'égoïsme là. Non, il n'y a pas d'égoïsme. Si c'était insupportable pour vous après. Et que finalement vous n'auriez, comme vous dites, que la culpabilité aurait été plus grande et que vous... Certains disaient, la dame, la coordinatrice disait que pour certains, des membres de la famille, notamment des parents, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas, que c'était insurmontable pour eux, qu'ils avaient l'impression de tuer leur enfant une seconde fois. Donc s'il y a une telle culpabilité derrière, vous voyez, c'est bon... C'est de l'ordre de l'insurmontable. Hein? C'est un peu ça, oui. Il y a Régis, d'ailleurs, qui dit peut-être que voilà, vous avez été mal entouré à ce moment-là et puis que de toute façon, vous aviez cette possibilité. Régis qui dit « je vous comprends ». Et puis Petite Plume aussi qui dit « je comprends tout à fait ce que peut ressentir Daniel ». Je vous remercie en tout cas. Bon courage à vous, Daniel. Oui. Au revoir. Merci beaucoup pour vos émissions. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21, 34 centimes la minute. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. On va rester dans ce thème hein, douloureux du don d'organes. Oui, douloureux, mais pas que. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui peut être beau dans ce qu'on peut vivre. Voilà, parce que nous, on a donc perdu deux enfants, un petit de la mort subite, et puis une petite fille de 8 ans, renversée par une voiture, et qui est restée dans le coma pendant 20 heures. Donc, on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer, mais on savait qu'il y avait un risque... assez grand qu'elle meure. Donc on s'est tout de suite posé la question avec mon mari et avant même que le monde médical nous la pose, et ça nous a paru évident. Donc
on est allé dire au médecin, donc on était d'accord si Guimette mourait, qu'on puisse prélever ses organes. Voilà, malheureusement, il y avait des organes qui avaient trop souffert de tous les médicaments qu'on lui a ingérés pendant le coma, mais on a quand même pu en récupérer d'autres. Et voilà. Et notre chance à nous, c'était qu'on avait un ami chirurgien qui a accepté de s'en occuper lui-même, ce qui, il faut reconnaître, beaucoup. A été un réconfort de savoir que c'était un ami et que donc il serait particulièrement précautionneux et. Oui, et puis qui nous a téléphoné juste après. Il a passé quand même, ça dure quand même 3-4 heures. Hein. Donc on savait que c'était très agréable de savoir que c'était avec lui. Quoi. Ça, c'est une aide, c'est sûr. C'est sûr. Et puis là, c'est d'ailleurs pour le remercier, c'était beau, parce que pour le remercier, on lui a offert, il aimait beaucoup les orchidées, donc on lui avait offert une orchidée. Mmh. Et cette orchidée, elle a refleuri des années et des années, parce que là, c'était en 80, notre fille est née en 89 et décédée en 97. Et je ne lui ai pas redemandé récemment, mais encore très récemment, son orchidée fleurissait encore. Quoi. Donc ça le touchait beaucoup. Oui, c'est un beau symbole, oui, en effet. Oui. Cette durée de vie, oui. Vous avez su, comme pour les autres témoignages, finalement, où ça a pu être donné à d'autres enfants, combien d'enfants ont pu bénéficier de ces dons? Alors, non, on n'a pas su grand-chose. En fait, ils ont demandé si on pouvait prendre le bloc cœur poumon, et puis c'est là où on nous a dit que en fait ils étaient trop abîmés par les médicaments, donc voilà, on était un peu déchus. Mais je crois, il me semble qu'il y avait encore deux, mais je n'ai plus ça précisément dans la tête. Il y avait sa cornée, ça c'est sûr, et il me semble qu'il y avait encore autre, qu'il y avait un autre organe, mais je ne sais plus. Et non, on n'a pas eu trop de nouvelles, mais à la limite, enfin, je crois que ça devait être égal en fait. Oui, voilà. C'est important, finalement, c'était important que... Pour vous, c'était une évidence? Oui, pour nous, c'était une évidence. Alors, c'est vrai que nous, on est dans une perspective de foi aussi. Donc, nous, on était persuadés que c'était ce que notre fille aurait voulu et ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que vous êtes croyant? Oui. Oui, ça doit aider. Oui. Je dis ça doit parce que j'imagine que pas toujours. Pas forcément quand on est confronté à un tel drame. Ah bah c'est-à-dire que ça n'enlève pas tout ce qui est douleur, etc. quoi, c'est sûr, mais ça aide parce qu'on est dans une autre perspective, quoi. Oui. On n'est pas dans une perspective. Il y a quand même tout le travail de deuil à faire, mais c'est pas une perspective. Il y a la vie, quoi. Enfin, on est dans une logique de vie, quoi. Oui, c'est-à-dire que même après, pour votre fille, vous dites que il y a un après pour elle. Oui. De par votre foi. Oui. Et puis nous, on s'est dit vraiment, c'est tellement le cas typique, quoi, où la question du don d'organes se pose, parce que donc elle a été 20 heures dans le coma, donc on a eu le temps, enfin voilà. On avait le temps vraiment de réfléchir. On la reconnaissait même pas tellement elle était quand même abîmée et tout, et d'emblée on savait que le risque était énorme. Donc voilà. Et c'est vrai que ce qui est peut-être le moins facile à vivre dans cette expérience, je pense, enfin moi, en tout cas pour moi personnellement, ça a été ça, c'est qu'à partir du moment où elle est morte cérébralement, on a envie de dire ça y est, on arrête, quoi, c'est fini. Et en fait, on est obligé de prolonger de façon artificielle la vie. Et on a moi j'ai du mal à savoir si ma fille elle est partie le 16 ou le 17 juin, quoi. Je suis un peu à cheval sur ces deux dates, puisque c'était le 16 au soir qu'elle était en mort cérébrale et que c'est la nuit qu'on a fait le prélèvement d'organes. Et du coup, voilà, c'est un espace où j'ai du mal à situer les choses, quoi. Je vous comprends. C'est vrai que c'est une question, je ne sais pas s'il aborde, mais on repousse les frontières comme ça de la mort, puisque on parle d'état de mort clinique, mais ce qui est finalement la mort cérébrale et la mort, mais on maintient artificiellement. Tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est une question qui
que doivent se poser beaucoup de proches, de familles, de parents, et parce que elle est très floue, cette notion, avec avec l'assistance des machines, du respirateur et artificiel, et pourtant elle l'était, vous la voyez, votre fille. Donc je comprends que ça soit très troublant, cette perspective. Oui, oui, puis c'est accepter que voilà, qu'il y ait quelques heures en plus où on sait qu'elle n'est plus là, mais qu'en même temps, voilà, on maintient. C'est particulier, quoi. Oui, oui, oui. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Bénédicte. Je vous en prie. Merci, merci. Et c'était important de vous entendre parce que c'est des témoignages qui sont rares. On entend les familles souvent des greffés. Les familles des donneurs. Donc, merci infiniment d'avoir témoigné. Merci à tous ce soir. Okay. Au revoir. Au revoir, Bénédicte. Petit message encore de Roland qui dit « Je suis ni pour ni contre le don, mais parfois on se dit les non-donneurs resteraient-ils sur leur position si le don venait à sauver une vie dans leur famille ?» Et puis Jean qui dit « Trait d'union entre les deux thèmes de ce soir, la solitude et le don d'organes, la mort. C'est la vie plutôt, hein. La foi, moi, elle m'a aidé à vivre, dit Jean. Allez, je vous embrasse, très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. » Il est 1h, vous écoutez Europe 1.